What's going on guys, et bienvenue pour Tomb Raider Legend. Alors c'est un jeu que j'y ai jamais joué, voilà, tout simplement j'y ai jamais joué. Comme j'ai dit, hein, les jeux du passé c'est pas forcé que ce soit des jeux que je connaisse moi, ça peut être des jeux que je découvre aussi, donc Tomb Raider Legend en fait partie. Alors apparemment il est sorti, enfin non, il est sorti en 2006 sur PC, Xbox, Xbox 360 et PS2, j'ai la version PC. Les gens qui regardent cette vidéo me doivent 97 centimes parce que je l'ai payé 97 centimes pour avoir la version PC en fait. C'était beaucoup mieux que la version émulateur PS2. Donc voilà, après il a été porté sur GameCube, Game Boy Advance, Nintendo DS, PlayStation Portable, etc. etc. En tout cas, donc c'est apparemment... Alors moi de ce que je lis, hein, parce que comme encore une fois j'y ai jamais joué, c'est un reboot de la série car en fait... Et en plus il n'a pas été... développé par le studio britannique Core Design. C'est une première parce que c'est une décision d'Eidos en fait, parce qu'il a été fait par Eidos Interactive comme d'habitude, c'est les éditeurs. Car en fait, le dernier jeu, donc L'Ange des Ténèbres, n'a vraiment pas du tout marché. Le dernier Tomb Raider, L'Ange des Ténèbres, celui-là avant Légende, a pas du tout marché. Et les critiques étaient assez désastreuses aussi. Donc voilà, si je me rappelle bien, je crois avoir vu des vidéos, parce que j'y ai pas joué non plus à L'Ange des Ténèbres. J'avais vu des vidéos, c'est assez mystique en fait. Il y a genre, ça devient avec un double, enfin une femme aussi qui vient des ténèbres, ou j'en sais rien. C'est assez bizarre. Alors que bon, Tomb Raider, pour moi, c'est pas trop ça. Moi, encore une fois, j'ai joué au 1, 2, 3, peut-être au 4, je pense. Déjà que le 3 était assez mystique avec les objets qui venaient de morceaux de météores que on va faire à un moment parce que le 3 est vraiment bien. Enfin voilà, déjà l'histoire en fait allait assez loin et devenait un peu bizarre. Donc je comprends pourquoi L'Ange des Ténèbres par exemple n'a pas marché du tout parce que c'était vraiment un peu n'importe quoi de ce que j'ai vu des vidéos, en tout cas par rapport à l'histoire. Après le gameplay, je sais pas s'il était bien ou pas, mais en tout cas voilà. Donc Tomb Raider Legend, donc un reboot, l'histoire est centrée donc sur Lara Croft comme d'habitude, qui part à enquêter sur la disparition de sa mère, à sa recherche des fragments d'Excalibur apparemment, bien sûr l'épée du roi Arthur, voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Donc ce qui est pas mal, donc on a la version PC, donc il y a des meilleurs graphismes, ça par exemple compte tenu prochaine génération, si on enlève, je pense que ça c'est la version PC, la version PS2 normale, enfin quand elle est sortie, et là on a avec des graphismes un peu mieux tout ça, donc PC, en tout cas j'ai tout mis, donc ça devrait être, je sais, ça va être joli, donc voilà, on va se lancer. Je voudrais bien faire le manoir des Croft, mais bon, on est plutôt là pour jouer au jeu. Niveau de difficulté, expédition normale, difficile, excursion facile, expédition raid. On va se mettre en expédition, voilà. Ok, c'est parti. Bolivie, Tiwanaku. Mais sérieux, j'ai pas le temps de lire, oh. C'est quoi cette merde? Elle était un peu conne quand elle était petite, non? Du coup, je vais pas trop parler parce que je connais pas la cinématique non plus, donc bon. Cool. Oh, on va voir le cliché. Elle monte la montagne, évidemment.
drôle, Digo. Waouh, la classe. Je t'assure, Zip, c'est comme monter des marches, en bien plus amusant. Ah, c'est la voix de qui, elle? De Lara. De Florence, c'est ça? Elle est connue. Waouh. Alistair, je te présente Tiwanaku. C'est une charmante civilisation pré-Aka, actuellement en ruine. Cool. Je cherche certaines reliques depuis... pas mal de temps. Et une vieille copine qui travaille à la Paz m'a parlé d'une rumeur plutôt intéressante. Quel genre de relique? Oh putain, c'est tellement bizarre. Un gravé, entre autres. Ouais, un caillou, quoi. Elle veut pas en dire plus. Parce que ça vous gâcherait la surprise. Les lèvres, elles bougent pas. C'est très bizarre, on dirait les nouveaux Tomb Raider en fait. Ok, comme ça on vise. Ça c'est quoi? Oh putain, on a des jumelles. Oh, ça pète. En mode mad. Ah! Cool. Du coup, en fait, c'est une découverte plutôt. Oh, on a une lampe. Sur l'épaule. Cool. Après on a un truc de soin je pense. Et après changer d'arme. Ah j'ai un grappin. Cool, cool, cool. Ok. Comment on sprint? Oups. Ok, tirer c'est comme ça. On peut viser comme ça. Désolé. Du coup ça... Je découvre le jeu en fait. C'est bien parce que ça m'indique les contrôles au clavier alors que je joue à la manette. Avec le pied. Ah, c'est triangle. C'est triangle l'action. Hop. Ça, c'est sympa. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont déjà joué à ce jeu, mais... Alors apparemment, de ce que les critiques disent, ce jeu, c'est assez un retour aux sources. Donc c'est pas mal. Donc apparemment c'est pas mal. Moi j'ai l'habitude des anciens. Des anciens Tomb Raider. Putain, c'est, par contre elle parle tout le temps, ça va être relou. Yeah. Ok, elle peut faire des roulades. Ah, il y a un truc là-bas. Truc à récolter, cool. Il marche où son grappin là? Ouais, pas nulle part apparemment. C'est sûrement des objets bien précis. Et elle peut pas sprinter, putain. Bon, on va où? Et des lianes. J'ai pas l'air con, moi. Bon, Lara, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que là... Parce que là, je vois pas, là. Aller de l'autre côté, là. Ah, ouais, peut-être là, ouais. Waouh. Cool, c'est étanche comme prévu. Tu devrais pouvoir nager avec sans problème. Sauf si tu le manges. Là, faudra attendre une heure. Ça, c'est le PDA, du coup. Objectif. Putain, c'est cool. J'aime bien. Double pistolet.
RGP Mach 5, hein, équilibré pour réduire le recul. Ok. Il accueille ainsi les chargeurs de grande capacité. Grappin magnétique. Remplacé par un électro-aimant surpuissant qui peut activer et désactiver depuis l'unité de base. Relié au grappin par 8 mètres de micro-filament. Putain, c'est quoi ce truc? Ok, sympa. Oups, fallait faire ça. Sûrement. Point de passage. Oh, elle est rapide, ça j'aime bien quand les jeux quand il y a beaucoup de plateformes comme ça. Parce que dans les premiers Tomb Raider, elle était quand même lente. Quand elle se déplaçait sur les murs et tout ça. Donc là, c'est pas mal. Putain, j'aime bien. Je vais le faire ce jeu. Je vais le finir, je crois. Faut que enfin, je vais y jouer. Si vous sautez trop tôt, Lara s'accroche que d'une main. D'accord. Oh. Ça, c'est le genre de jeu qu'il faut que je fasse en stream, que je le finisse. Plutôt cool. En plus, il paraît qu'il est vachement bien, donc. Respire, Zip. Détends-toi, on est loin d'avoir fini. J'oubliais ton optimisme légendaire. Puis plusieurs fois sur le rythme mouvement pour aller plus vite. Oh, cool. Cool. Qu'est-ce que tu vas me faire, Lara? Oups. Je sais pas pourquoi elle s'est lâchée en fait. On peut le faire ça dans le 2, je crois. Jusqu'à dernier point de passage franchi. Oh putain! La vache. Utiliser la touche de déplacement, d'accord, ça marche. Ah merde, faut faire la touche action. Franchement, ils auraient dû continuer dans ce système, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont voulu recommencer encore une fois les Tomb Raider avec la nouvelle là. Genre la survie, rajouter de la survie. Au final, c'était pas super. Hein. Enfin, il était bien, hein, le nouveau, le dernier Tomb Raider. Hein. Mais moi, je l'aime bien celle-là, cette Lara Croft. Avec les deux flingues et tout ça, j'ai toujours bien aimé celle-là. Pour verrouiller. Ah, je pour tirer. Ok. Aucune idée. Il est délibérément insignifiant. Et ça, c'est bon signe? C'est délibéré, donc ce n'est pas bon signe. Comment je peux zoomer? Ah ben voilà. Dans des jeux d'exploration, putain, si vous faites des jeux, mettez toujours des jumelles, s'il vous plaît. Les jumelles, c'est très immersif. Wow, cool.
Celui-là est un peu plus action du coup, sympa. Hop là. J'aime bien comme elle monte, elle fait un petit saut en fait, c'est classe. Pour lancer le grappin. Merde. Ah, ça tue! Cool! Ouais, je te jure. Oh merde. Et donc, il a surgi en se balançant? Non, il dansait plutôt. Et il hurlait comme pas permis. Moi, je lui aurais collé un coup de Saton. De Saton? C'est quoi ça? Bref, il s'est jeté sur moi. Merde, j'ai. Je me suis trompé de gâchette en fait. Je voulais faire ça, je voulais viser parce que ça disait quelque chose par rapport au verrouillage, mais bah voilà. J'ai appuyé sur la gâchette de tirer en fait. C'est pas grave. Ah, ici. Non. On peut monter les. Non, on peut pas monter les trucs. Bon. Ah bon, je vois des acrobaties, mais je vois pas de moyen de les. Ah, peut-être là. Voilà. Hop là. Cool. Ouais, oh putain, j'ai eu peur. Et du coup, on va où là? Descends. Non! Oh la vache. C'est pas ça que je voulais faire, c'est. Je voulais juste tout simplement me laisser tomber. Ouais, ça c'est un jeu que je continuerai. On va aller là-bas. Bon, par contre, on est limité à 3 machins, 3 trousses. Appuyer apparaît dans l'écran, appuyer sur espace pour sauter. Ah, ok. Ah, cool. Je suis un peu. Comment dire? J'aime bien quand elle avance doucement, là, comme ça. Genre, elle est prête à dégainer. Enfin, il n'y a pas de sprint. C'est un peu étrange. Magnifique, non? Je crois que je retombe amoureuse. Tu dis ça de toutes les ruines. Ah, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et voilà les touristes qui viennent tout gâcher. Qu'est-ce que tu vois? C'est trop petit pour la caméra là. Qu'est-ce qu'il y a? Des hommes armés. Des mercenaires apparemment. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils cherchent des ennuis. Waouh. Mode verrouillage tiré sur les objets environnement à l'aide de E pour infliger des dégâts aux ennemis de proximité. Attends. Cool. Oh
Bon, par contre, les combats sont un peu